Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo pour apprendre les cinq premières notes de la trompette. Alors, c'est très arbitraire, mais on va partir sur Do majeur. Hein, on pourrait partir sur d'autres tonalités, mais Do majeur, on va dire que c'est la base pour la trompette. Et je parle pour les trompettes en si bémol. Là, je suis en si bémol. Hein. Donc, je suis même au cornet. Donc, qui est un vrai instrument pour les débutants, hein. N'ayez pas peur, hein. C'est un vrai instrument. Simplement, c'est plus facile pour ceux qui ont les enfants qui ont des petits bras, mais ça reste un vrai instrument, c'est pas un gadget, c'est pas un truc de petit ou quoi. Donc, les cinq premières notes, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Okay? La gamme de Do majeur, les cinq premières notes de Do majeur. Alors, normalement, si vous avez fait la vidéo des premiers pas à la trompette, vous devez avoir à peu près pas trop mal le Do et le Sol. Maintenant, on va voir les notes au milieu et on va surtout faire un exercice pour bien maîtriser sur la hauteur. On va partir du sol aigu, enfin du sol médium, la note du haut. Zéro piston. Et après, on va descendre. Donc, je vide l'eau. Si vous n'avez pas bien maîtrisé le sol encore, vous pouvez quand même faire cette vidéo, ça va peut-être vous aider à maîtriser le sol, parce qu'à chaque fois, on va revenir sur le sol. Le principe, c'est qu'à chaque fois, on va faire l'exercice une fois lié. Et une fois détaché. D'abord, je vais faire sol, fa. Et vous répétez après moi. Lié. Après, sol, fa, détaché. Ta, ta. N'oubliez pas le détacher avec la langue. Ça va être quelque chose de bien à travailler. Hein. Ta, ta. La langue qui reste derrière les dents. À chaque fois que j'appuie sur le piston. Ta, ta. Je vais déclencher la langue en même temps. Après, je vais faire l'aller-retour. Sol, fa, sol, lié d'abord, et après, to, ta, to, détaché. Okay? Et après, je vais faire la même chose, mais à partir du fa, donc de la quatrième note, et je vais remonter. Fa, sol, et après, fa, sol, fa. Tout est clair? S'il y a des questions, eh ben, vous pouvez les poser. Je pourrai pas répondre. C'est parti, suivez-moi bien. La vidéo risque d'être un petit peu longue, donc peut-être je vais la couper en deux. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à faire des pauses. Hein, mettez pause, ne passez pas à la suite tant que vous n'avez pas bien compris ce qu'on a fait d'abord. Alors c'est parti, sol, fa, sol, 0, 1, 0, 3. Et sol, fa, on appuie bien sur le piston. Et on glisse. Ta. Il n'y a pas de coupure d'air. Encore. Ta. Ta. Oui, je chante bien ta. Ta parce que c'est un sol. A parce que c'est un fa. D'accord? Et je chante bien ta jusqu'au bout. N'hésitez pas à chanter quand c'est moi qui joue. Détaché maintenant. Petite pause. Attention, c'est pas ta. Ça marche pas. Je souffle d'une note à l'autre. Ok? On recommence. Ta. Et un dernier. Ok, donc là j'ai dit un dernier, mais si à la maison. Excusez-moi, j'ai vidéo. Si à la maison vous avez besoin de le refaire encore, refaites-le encore. Vous rembobinez la vidéo et vous recommencez. Maintenant, sol, fa, sol, lié et après détaché. Vous répétez après moi. Trois, quatre. Sol, fa, sol, trois. On tient bien jusqu'au bout. Quatre. Ta. Trois. Trois. Quatre. Ta. Je fais n'importe quoi avec les doigts. Tenez bien ici. Ta.
Ici, ça bouge légèrement, mais vous vous en préoccupez pas. Par contre, ici, il faut surtout pas relâcher. Si vous faites ta, ça marche pas. Ne cherchez pas ici. Ici, vous tenez. Très important. Détachez. Quatre. Ta, chantez pendant que je joue. Quatre. Sol, fa, sol, trois. Quatre. Ta. Ok. Et maintenant, on passe à l'inverse. Fa, sol. Fa, sol. Et on glisse vers le haut. Fa, sol. Fa, sol. Un dernier. Ta, détaché. Ta. Ta. Encore. Ta. Ta. Ok, maintenant on va faire l'aller-retour. Fa, sol, fa. N'oubliez pas de bien respirer avec la bouche et on amène l'air vers le ventre. D'accord? Là, on voit pas parce que mon ventre est en dessous. Mais vous voyez, mes épaules ne montent pas. Surtout pas monter les épaules, très important. C'est parti, la suite. Fa, sol, fa. Quatre. Fa, sol, fa. Trois. Trois. Quatre. Fa, sol, fa. Un dernier. Quatre. Fa, sol, fa. Trois. Quatre. Ok, maintenant détaché. Quatre. Fa, sol, fa. Trois. Quatre. Ta. Trois. Quatre. Ta. Un dernier. Trois. Quatre. Ok. Bien. Normalement, à ce stade-là, le sol et le fa, vous ne le maîtrisez pas trop mal. Si vous ne le maîtrisez pas encore très très bien, c'est pas grave, vous recommencez le lendemain. Hein. C'est à force de le faire, la régularité qui va vous permettre de bien maîtriser les choses. La suite est un peu plus complexe, compliquée, peut-être un peu difficile au niveau du moteur, au niveau des doigts. C'est-à-dire que là, on appuyait sur un seul piston, c'était facile. Là, on va faire deux pistons et après, il y aura deux, ces deux-là qui sont encore un petit peu plus difficiles. Ce à quoi il faut faire très attention, c'est à cette main droite. Je tiens bien la main gauche, alors chacun un peu comme il peut avec la taille de ses doigts, mais surtout, je tiens bien avec la main droite, avec la main gauche, pardon, et la main droite, elle ne tient pas la trompette, elle ne se repose pas sur la trompette, juste elle est là. Le poignet ne doit pas être cassé, je dois pas être comme ça. Si je suis comme ça, vous voyez, c'est raté. Parce que je mets trop de tension et je vais me faire mal au poignet déjà. Et puis j'appuie pas. Et puis j'appuie sur la trompette au lieu d'appuyer sur le piston. C'est juste le piston. Ça doit être facile en fait. Hein. Si vous appuyez, si vous avez bien mis de l'huile évidemment sur le piston, juste appuyer comme ça. C'est juste ça. C'est pas appuyer sur le piston. C'est pas comme ça. Juste le bout des doigts. Ou un peu la phalange si vous voulez, mais le bout des doigts et j'appuie. C'est très important, faites gaffe hein, là-dessus. À pas se coincer les doigts, parce que sinon après on n'a plus de dextérité, ça marche pas trop. Maintenant, sol mi. Mi 1 et 2. On est parti? C'est parti. Vous répétez après moi. On y va, on y va, on y va. Taï. On
souffle bien. Ta. 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 Détaché. Et je souffle pareil. Ta. Ti. Juste la langue en plus. Ta. Ti. Sol, mi. Ok, maintenant sol, mi, sol. L'aller-retour. Trois, quatre. Sol, mi, sol, trois. Trois, quatre. Ta, i, en. Trois. Détaché. 3, 4, ta, ti, ta, 3. 3 et sol, mi, sol, 3. 3, 4, ta, ti, ta. Ok. Maintenant, on part du sol et on remonte. C'est parti. Mi, sol. Ti, a. Ti, a. Détaché. Je le monte en arrière. Ti, ta. Ti, ta. Allez, un dernier. Mi, sol. Ok. L'aller-retour maintenant. Mi, sol, mi. C'est parti. 3, 4, mi, sol, mi, 3. 3, 4, mi, sol, mi. 3, 4, ti, oi, 3. 3 et détaché. Trois, quatre, ti, ta, ti. Trois, quatre, ti, ta, ti. Ti parce que c'est mi. 4. Mi, sol, mi, un dernier. 3, 4. Toujours la main droite bien légère. Ok, bien. Alors à ce stade de la vidéo, normalement je devrais couper pour en faire une deuxième pour que ce ne soit pas une vidéo trop longue, mais j'ai la flemme. N'hésitez pas, du coup, là, à faire une pause. Arrêtez-vous, hein, si vous avez passer du temps sur les deux premières notes, les trois premières notes. Là, on va faire les deux dernières. Mais faites une pause. Hein. N'hésitez pas à couper en deux. Sauf si vous avez déjà fait le début et que ça marche bien. Allez, c'est parti. Ré 1 et 3. C'est là que c'est un petit peu plus difficile d'appuyer. Il faut bien appuyer avec hein, les doigts. Pas avec la main. C'est les doigts qui appuient. Voilà, déjà, on peut faire déjà cet exercice-là. Juste ça. Tout seul. Pour s'entraîner à bien appuyer sur les deux en même temps. Et après, on y va. Sol, ré, pareil, lié, après détaché, etc. Sol, ré. Sol, ré. Et vous remarquez juste, petite pause, la coulisse ici.
Elle est légèrement tirée d'un petit centimètre pour la justesse. Je la laisse tirer tout le temps sur cet exercice. On continue. Sol, ré. Ta et détaché. Ta té. Sol, ré. Sol, ré. Un dernier. Ta, té. Maintenant, l'aller-retour, sol, ré, sol. 3, 4. Je tiens bien les muscles, hein. Je tiens les muscles et je souffle. Ta et un, trois et trois, quatre. Détaché, trois. Et je tiens toujours ici. Sol, ré, sol, trois et. La main libre. Ta, té, ta. Un dernier. Trois. Et. Ok, bien. On va continuer. Cette fois, on va partir du ré et on va monter. Donc là, vous avez vu la difficulté, c'est de réussir à changer de hauteur de note. Là, qui est un peu, l'intervalle est un peu grand. En fait, hein, on est sur une 4, ré, mi, fa, sol, une quarte, on verra ça plus tard. Ré, a, il va falloir bien l'amener en arrière, bien avec l'air. Comme si on le sifflait. Vous pouvez vous entendre à le siffler, ça peut être pas mal aussi. Pour ceux qui savent siffler. Voilà, pendant que je joue, n'hésitez pas à toujours chanter, souffler, siffler, faites des articulations, tout ça. Pour que quand après vous le jouez vous, eh bien c'est plus facile. C'est pour ça que je fais, hein. C'est pas juste pour le plaisir. C'est parti. Ré, sol. Ré, sol. On appuie bien sur les doigts. Pas la main. Ré, sol. On l'aspire en arrière. Té, a. Et toujours la coulisse tirée, hein, un petit peu ici pour le ré. D'accord? Détaché. Déta. Déta. Ré, sol. Maintenant, ré, sol, ré, aller-retour. Trois, quatre. Ré, sol, ré, trois. Trois, et. Trois, quatre. 3 et un dernier 3 4 té et ok détaché prêt c'est parti trois quatre té to té trois trois quatre té to té trois et ok
Ok, bien. Donc là, ce stade, le ré doit pas trop mal maîtriser. Et on va terminer avec le do. Le do, zéro piston comme le sol. Ok, simplement, il est en bas. Donc là, la difficulté qu'on a rencontrée avec le ré sol, elle va être un peu plus grande, du coup, vu qu'on a un intervalle plus grand. Donc là, on va bien tenir le masque, bien souffler, avec de la pression, et on relâche jamais, vraiment. On va penser comme une glissade, comme si on avait une coulisse de trombone. Ok? Allez, c'est parti. Dernière ligne droite, on s'accroche. Sol, do. Détaché. Tato, je relâche pas. Ok, aller-retour. C'est là où il faut bien accrocher le masque. Muscle. 3, 4. 3, 4. 3, et. Sol, do, sol. Et un dernier. Voilà. Et surtout, pas. Si vous vous mettez à faire des grimaces, c'est raté. Hein? Il y a toujours un petit miroir à côté pour regarder. Et on continue. Donc là, on a fait sol, do, sol. Maintenant, détaché, sol, do, sol. Quatre. Ta, to, ta. Toujours en avançant. Trois, et ta, to, ta. Trois, et. Trois, et. Un dernier. Et. Ok, et maintenant l'inverse. Do, sol. Prêt? Allez, on accroche les lèvres. C'est parti. Do, ah. Sol détaché. Do, ta. Do, ta. Ok, maintenant do, sol, do, l'aller-retour. Allez, vraiment là, c'est la dernière des dernières lignes droites. Sans s'écraser. Do, ah, oh. On tient la dernière note. Hein. Là, c'est raté, d'accord? Do, ah, oh. Je tiens bien ici. 3, 4. Je mets beaucoup d'air dans les descentes. Hein. 3 et to, ta, to. Pardon, maintenant c'est détaché. 3, 4, to, ta, to. 3. To.
tantôt. Trois et. Ok, et on va s'arrêter là. Il était temps qu'elle se termine cette vidéo. Je commence à raconter n'importe quoi. Alors, voilà. Là, elle est très longue la vidéo. Évidemment, vous la séquencez à la maison. Hein. Vous faites des pauses. Vous revenez dessus. Et je vais mettre la partition en pièces jointes. Donc, une fois que vous avez bien vu la vidéo, une, deux, trois fois, quatre fois, je ne sais pas le nombre de fois qu'il faut pour que ça rentre dans la tête, vous pouvez le faire après chez vous, hein, par cœur ou avec la partition. Ok ? Allez, ben sur ce, je vous souhaite bon travail, bon courage, amusez-vous bien et puis à bientôt pour des nouvelles aventures.